questions, Jacobsen, Yuan, il y en a d'autres. Vous verrez pourquoi dans quelques instants on va retrouver ce coureur qui aura réalisé des top 10 sur le tour après avoir pris en cours de deux saisons, notamment sur le podium du Trombolet au Grand Prix du Morbihan, c'est Luca Mozzato. Un petit peu plus loin sur scène, un coureur qui aura pris un top 10 du côté de Libor en début de Tour de France, 4e de Paris-Chauny, 3e de Paris-Bourg, c'est Jérémy Lecroc. Oui, c'est sa 18e saison professionnelle, il avait porté le maillot à poids sur les routes du Tour, le capitaine de route, Cyril Lemoine. À Cyril peut en cacher un autre, celui-ci est natif de Sauveterre de Béarn, 3e participation à l'épreuve, le vainqueur sur le Tour du Portugal, 9e sur les Champs-Élysées l'année dernière, c'est Cyril Barthe. Un champion venu de Normandie, il a brillé sur le Tour d'Espagne, au boucle de l'Homme classique noir-atlantique, qu'on a vu très souvent à l'attaque sur les routes du Tour. Et pourquoi pas finir en solitaire sur les Champs-Élysées, Alexis Bouchard. À ses côtés, mesdames et messieurs, il est devant vous, c'est l'un des grands Français au plus beau palmarès. Souvenez-vous, il avait terminé 4e du Tour d'Italie. Il avait remporté l'étape de Canazei sur le Giro d'Italia et sur les routes du Tour de France. Il s'est imposé à la pogneuse et elle a tout suivre. Il est devant vous, c'est Pierre Rolland. Et à votre droite, il est autrichien, il a 28 ans, il découvre le Tour de France. On se souvient de sa 14e place à la Bergantour Classique Alpes-Maritimes il y a quelques semaines. 3e du Tour d'Albanie, Sébastien Schoenberger. Et dans cette formation, on va saluer celui qui l'an dernier, jour pour jour, était sacré super combatif du Tour de France. On se souvient de sa 2e place sur les routes de Paris-Nice. Il avait également terminé 2e de Paris-Tours. Fort mon amour. Courage à la suite de cette toute dernière étape et ces derniers kilomètres avant de rejoindre.